précédemment dans Hardline. Donc, Neltz a parlé d'un deal avec Stoddard. J'ai accepté son offre. Vous, Stoddard, prenez tout. À compter d'hier, je suis le nouveau boss. Tap et Tyson sont amis d'enfance. Deux petits blancs, fans de ce ghetto. Tap est resté ici. Tout ce que vous devez savoir se trouve là-dessus, capitaine. C'est quoi ce bordel, Kai? J'étais certain de te trouver une place parmi nous. MacGuff. How sweet the sun. J'ai dit ta gueule. Descend erect. Putain, mais ferme-la! Là, et tu vas faire quoi? Me foutre en tôle? Like me! Hey, MacGuff! Ta gueule. Ne mêle pas de ça, Mendoza. Je vous en prie. Bonsoir, inspecteur. Tap. Ouais, on peut dire que tous les deux, on est loin de Miami. Hé, Milstein, ferme ta gueule. C'est sympa de te parler, Tap. Hé, écoute, il y a un deal qui se prépare en ce moment, et c'est du lourd. Garde ça pour toi, je veux pas savoir. J'y suis pour rien, moi. Je suis que le messager. C'est Tyson qui m'a dit... Oh, attends. Tyson Latchford. Ouais, alors là, tout de suite, ça t'intéresse, hein? Ok. Voilà le plan à suivre. Oh non... Putain! Tyson. Normalement, je devais te prévenir, mais... Putain, trop tard. Essaye de t'accrocher à quelque chose, mec. Stop. C'est quoi ce bordel? C'est la fête! Combien de temps j'ai cette clé? Et t'as sûrement pas envie de savoir où elle a traîné. Qu'est-ce que tu fous? Dès qu'il aura fini de balader les flics, Tyson te retrouvera au château d'eau. Profite de la distraction. Attends, quoi? Fonce jusqu'au château d'eau. Hé, hey, attends une seconde. Où tu vas comme ça? Tu m'as pas écouté? Je parle pas chinois pourtant. Va au château d'eau. Fonce! Voilà les flics!
Fais gaffe un peu. Recule-toi avant qu'il voit. Le périmètre sur place est sécurisé. Faut que je trouve un moyen de distraire ces types. Putain, ça pue l'ammoniaque et la pisse de chat là-dedans. Ça doit être un labo de CAM. Ok. Première étape. Libérez les otages. Vous n'avez aucun moyen de vous en sortir. C'est le moment de se barrer. C'est quoi ça? Cet endroit va sauter dans pas longtemps. Génial. Ça a marché comme sur des roulettes. Le périmètre sur place est sécurisé autour de la station-service. Il ira nulle part. Dites au PC que le secteur 4 est verrouillé. Déjà fait. Le SWAT est en route. Il va me faire sortir de là. La dernière fois que je suis venu ici, on a coffré la moitié de ce squat pour possession de drogue. La moitié seulement? Rejoignez votre équipe de poursuite. On y va. Faut que je trouve un moyen de distraire ces types. Waltman et Mendoza, chef. Ils sont avec lui dans le bâtiment, je crois, chef. Putain, ça pue l'ammoniaque et la pisse de chat là-dedans. Ça doit être un labo de CAM. Ok. Première étape. C'est le moment de se barrer. Cet endroit va sauter dans pas longtemps. C'est quoi ça? Génial. Ça a marché comme sur des roulettes. Avoir des questions? Qu'est-ce que tu fous ici? Et comment ça se fait que Tap avait les clés de mes menottes?
Je suis ici pour toi. Tu devrais te sentir flatté. Tap m'a rendu un petit service. Il m'en devait une pour cette histoire d'écoute. Il s'est pas évadé avec moi. Tap ? Pour l'instant, c'est la tôle qu'il lui faut. C'est le meilleur endroit pour se désintoxiquer. Je suis bien placé pour le savoir. Écoute, gros blaireau, je sais pas dans quoi tu vas entraîner, mais si tu crois que je vais... Pour le moment, il y a quelqu'un à qui il faut que tu parles. Tiens, prends ça. C'est quoi ce truc ? Tu vois là ? Fais flasher ta lampe torche. 3 fois, rapidement. C'est là qu'il faut que... Merde ! On n'est pas en sécurité ici. Il faut qu'on se sépare. Tyson ? Retrouve-moi en bas et fais pas choquer dans les frangeaux. Merde. Vous encourez un alourdissement de vos peines. La zone est sécurisée. Il fait trop sombre et trop froid pour jouer à ce petit jeu. On va vous trouver. Tout va bien de on arrive. On intervient. Bouge plus, bordel. On arrive. Je m'occupe de lui. Prisonnier, au sol où tu prends du jus. Face contre terre. Attention, mec. Qu'est-ce qu'on vient foutre ici, Tyson ? Non, j'aime mieux que tu me dises tout de suite. Commence par me dire pourquoi t'as cru que c'était une bonne idée de faire sauter le bus dans lequel j'étais. On fouille la zone. Allez, suis-moi. On a perdu sa trace sur le terrain. On le cherche.
c'est une putain de blague? Le transfert de tape, la clé? J'aurais dû m'en douter. Des flics pourris, on sait quelle ficelle on doit tirer. Écoute pour ce que ça vaut. Je suis désolée. Donne-moi une bonne raison de pas t'en mettre une. Primo, je réplique. Oh, mais ça, j'y compte bien. Et Dezio? Julian Dawes. Réfléchis un peu. Il m'a dégagé du business. Il t'a fait boucler et elle aussi, il a fini par la baiser. T'es à peu près la seule personne en qui on ait confiance. Confiance? Moi, j'y gagne quoi dans cette histoire, vous me le dites? Faut que quelqu'un fasse comprendre à Dawes que son crime restera pas impuni. T'as toujours été du genre à traîner les salauds en justice, pas vrai? Et il se passera quoi si je vous dis d'aller vous faire foutre tous les deux? Oh, et bah, on ira se faire foutre. Ouais. Quoi? Et toi, tu remettras ton joli costume orange. C'est vraiment si dur que ça de choisir?